Thank okay. Oui, euh, l'exposé que nous avons fait en fait tout de suite, c'est pour euh, essayer donc avec euh, les acteurs ici présents de faire un peu le point euh, où est-ce que nous sommes par rapport à un certain nombre d'initiatives, pour démontrer que les là, on a mis en place avec l'appui donc euh, du Fonds pour l'environnement mondial et d'un certain nombre de partenaires un environnement habilitant pour une mise en œuvre effective donc de la grande miraille verte. Parmi ces environnements habilitants, on peut citer d'abord euh, le fait que euh, avec les fonds, les, les, les ressources produites qui nous ont été fournies par le Fonds pour l'environnement mondial, accompagner des pays à faire une situation de référence pour dire où est-ce qu'ils sont exactement dans la mise en œuvre de la grande mirave, mais aussi au niveau des différents indicateurs, au niveau des différentes menaces et des opportunités en termes socio-économiques au niveau rural, et où est-ce qu'ils sont. Et cela les a permis d'identifier les éléments clés. Qui doivent permettre de faire la programmation pour une mise en œuvre effective donc, de la Grande Miraille Verte. Le deuxième point, c'est un peu le point sur ce qu'on appelle l'accélérateur. Vous vous souvenez qu'en janvier 2021, avec la participation d'un certain nombre de pays de la Grande Miraille Verte, notamment la Mauritanie qui assurait assuré la présidence en son temps, avec le président français Macron, ils ont donc organisé un événement parallèle lors du sommet. One Planet Summit à Paris, qui a permis de mobiliser les partenaires et de mobiliser des ressources d'environ 19 millions de dollars et 19 milliards de dollars pour accompagner la mise en œuvre de la Grande Miraille Verte. Et un outil a été mis en place pour accélérer et accompagner les États à accéder à ces ressources, ce qu'on appelait l'accélérateur. Donc, on a fait un peu le point, ce que l'accélérateur a fait pour accompagner les États à mobiliser ces ressources, mais aussi ce qu'il a fait pour mettre en place un cadre de redevabilité et de suivi de la mise en œuvre de la Grande Miraille Verte. Mais le troisième élément et le plus important aussi du cadre habilitant, c'est que... Le Conseil des ministres, donc, qui a eu lieu en 2022 donc à Abuja, a adopté le plan d'investissement prioritaire 2021-2025, qui, qui a permis aux États de définir le cadre d'investissement au niveau de l'initiative Grande Miraille Verte pour euh, les, les années à venir. C'est euh, un élément important en termes donc, de l'appropriation par les États du programme et d'orientation de où est-ce qu'il faut investir de ressources. Le dernier point donc de ce cadre habilitant donc c'est les coalitions nationales. Les pays, particulièrement au Sénégal, le chef de l'État a pris un décret pour créer donc, la coalition nationale de la Grande Miraille Verte du niveau local au niveau central. Et tous les pays sont en train de mettre en place ce, ce système au niveau des pays pour permettre en fait, la participation de l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre et le suivi de la Grande Miraille Verte, ce qui est un élément important. Donc, comme vous le voyez, euh, vraiment tous les éléments sont vraiment là pour une mise en œuvre efficace de la Grande Miraille Verte et on espère que dans les années à venir, les États vont tirer profit de tous ces mécanismes pour aller vers une situation transformationnelle. Pas... Alors, eh, les résultats, c'est mitigé. Il, il faut dire que euh, nous vivons dans un environnement, dans un écosystème compliqué où les États sont fragiles, mais ils ont aussi beaucoup de besoins en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de protection de l'environnement, en termes de développement des infrastructures. Donc, les défis sont énormes pour les États. Les efforts ont été faits, les efforts importants ont été faits. Il y a des résultats palpables quelque part par-ci, par-là, mais ce n'est pas ce qu'on espérait. Mais cela est bien compréhensible compte tenu du fait que les, les comme je dis, les défis sont énormes. Mais eh, la volonté politique y est. L'engagement des de, 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 de gouvernements et des partenaires est là pour euh, accompagner la restauration de l'environnement. Mais eh, il est important quand même d'accélérer. Parce que ce qui est en train d'arriver en termes de situation environnementale est extrêmement préoccupant, tant au point de vue des changements climatiques que des phénomènes extrêmes et des catastrophes. Tout le monde a vu la situation à Dakar en termes d'inondation. La Mauritanie, cette année, eh, noccionne particulièrement la capitale actuellement elle est dans les eaux, et donc euh, ce n'est plus un luxe, c'est une obligation d'investir pour assainir notre environnement et pour améliorer les conditions de notre environnement. Oui, mais euh, c'est la conséquence de la situation que nous sommes en train de dire. Euh, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que, un, euh, les, 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 au niveau du, des plateaux, ils sont dégradés, ils ne peuvent plus retenir les sédiments. Le sol est dénudé dès qu'il fait il même si elle est faible, les sédiments sont transportés parce qu'il y a rien pour le retenir. Et ce sédiment quand il va il rentre dans le cours d'eau qui en de profondeur peut-être de 5 mètres avant maintenant c'est à peine 1 mètre ou un mètre et demi. Donc c'est vraiment un phénomène naturel. Donc il est, il est, on est obligé donc, de prendre des dispositions pour permettre euh, euh, aux, aux écosystèmes et aux populations de s'adapter, puisque la situation est là. Ce serait extrêmement difficile de surcriser nos cours d'eau pour qu'ils reprennent leur euh, situation d'antan, le mais on fait avec, mais il faut diminuer les impacts donc, euh, donc de ce transport de sédiments, parce que si ça continue, encore les cycles des inondations seront encore beaucoup plus graves. Oui, euh, euh, c'est l'un des éléments qui a été constaté comme une insuffisance de l'initiative Grande Miraille Verte. Et c'est pour cela les partenaires, notamment donc le secrétariat donc, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le PNU et un certain nombre de partenaires, en janvier 2022, on a organisé avec l'ensemble des et des communicateurs pays des agences de Grande Miraille Verte sur la stratégie de communication et sur les outils de communication à développer pour vraiment faire un suivi efficace de, de, des aspects de communication que tout le monde reconnaît qu'il y a une insuffisance. Merci.